Descends de là! Le Cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pas la semaine dernière! Malaka! Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche un peu et je vais te montrer. Tu devrais le savoir depuis le temps. Le Cyclope récupère toujours son argent. On va te donner une leçon. Le Cyclope se sent une âme de précepteur. Dis-lui de venir en personne. On ne se moque pas du Cyclope. La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Foyer B. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Ben voyons. Sers-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Enfin! Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Fouibé. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Oh, ma tête! Dégagez, et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Mmh.
Je dois passer ça. Foyebe a encore dormi ici, la pauvre. Elle n'a pas de maison. Dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller. Je les ai contrariés, je crois. Les dieux. C'est bien possible. On dit qu'ils sont rancuniers. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati.
Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes vœux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal? Tu connais Hermès. Il peut se montrer facétieux. Ah, oh, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. D'accord, rassure-toi. Je vais y aller. Ah, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mystios. Tu vas fouler un sol sacré. Bah, on verra bien. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue. Il y a un courant d'air. Une fissure dans la paroi? L'endroit est sûrement surveillé. Je dois rester prudent. La mort est...
mauvais précepteur. Ah 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 ah. Te voilà. Il n'y avait que des bandits. Les gens auraient quand même dû se douter de quelque chose. Et voilà leur butin. Aucun dieu dans ces grottes, seulement des bandits qui dépouillent les gens de leurs drachmes et de leurs espoirs. Oh, je le savais! Des voleurs! Au moins, tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus. Peut-être qu'il aura pitié de toi. J'espère que la colère de Zeus frappera ces brigands. Ne t'en fais pas, ils ont subi la mienne. Ça devrait suffire.
C'est là. Voyons dans quel guépier tu t'es fourré cette fois, Marcos. Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici, je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir, tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Alexios, les dieux soient loués. Phoïbé t'a trouvé à temps. À faire du vin. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin, voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite! Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais... tu pourrais peut-être t'en charger toi-même? Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Duris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent! Il me rembourse toujours. Oui, seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? Bon, où est-ce qu'il est, Duris? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Alexios. Et il y sera? Tu me prends pour la pitié? Comment veux-tu que je le sache? J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui! Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Je te laisse choisir. Parle-moi de celui-ci. Le Skyros. Ah, tu sais reconnaître une bête robuste, mon ami. Ce cheval aime autant les pentes qu'une chèvre. Celui du milieu, c'est quoi son histoire? Ah! Tu as choisi une beauté, mon ami. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah! Le Macédonien! On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Celui de gauche. C'est un choix intéressant, mais cette race a quelques... travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... celui-là, Marcos. Eh bien voilà!
Tout le monde y gagne. Et surtout toi. Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas. Retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras... demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe. Il reste plein de vin à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoïdée a été enlevée. Par qui ? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre ? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Thymène. La plage ? Elle sait nager ? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Alexios. Vas-y ! Les voilà. Je vais surprendre ces malakès. Allez! Lâchez-moi! Tais-toi, ou je resserre ces cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Tais-toi, Fouibé. Ces herbes hautes vont me cacher. Je ne peux pas laisser s'enfuir le reste de ces malakès. Hein ? Il y a eu un bruit. Sûrement mal entendu. Oh. Ah. Ah. Je crois que je vais aller. Ce Marcos, il sera le suivant. Il n'y a personne ici. Reste. Il est temps de sortir Phoïbé de là. Alexios, je suis là! Détache-moi! Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoïbé, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça. Accroche-toi. Tu peux l'avoir. Encore ! Debout ! Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi ! Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir
Bien. Approche. Ça suffit, Nikolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le Cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Oh. Un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurai rentrer toute seule. Merci, Alexios. Talos Point de Pierre. Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça.
Sammy, Duris sera à son échoppe. Alexios, content de te voir. Bonjour, Duris. Les affaires semblent bonnes. Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Duris. Mais ma famille... J'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est... Qu'est-ce que je casse en premier ? Toi ? Ou ta marchandise ? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant un mercenaire. Ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope ? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble ? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais mort. Qu'il t'a recueilli quand t'étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie ! Malaga. Écoute, ça ne change rien à ta dette. Peut-être. Mais si le Cyclope met la main sur vous, il vous tuera tous les deux. Je te l'ai dit, j'ai assez payé comme ça. Arrête ! C'est à moi, ça ! D'accord, d'accord, je vais payer. Mais arrête ! Très bien, voilà l'argent. Mais va-t'en ! C'est un plaisir de traiter avec toi, Duris. Ne prononce plus jamais mon nom. Je ne veux pas que le Cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer. C'est le travail qui t'amène. Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand Mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le Cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Alexios. Je vois à ton sourire que Duris t'a rendu ton argent. Quel sourire? J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais on peut le rembourser, non? Je suis sûr que c'est possible. Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi peut-être. Mais toi, non. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main.